je viens d'être admis en réanimation et nécessite peut-être l'utilisation de bas de compression intermittents. À quoi est-ce que cela sert ? Lorsque le patient est alité longuement en réanimation, il peut développer ce qu'on appelle une thrombose veineuse ou phlébite. C'est la formation d'un caillot dans les vaisseaux sanguins des jambes ou des bras. Pour cela, deux possibilités. Soit l'utilisation des anticoagulants, qui sont des médicaments qui vont fluidifier le sang et empêcher la formation de ce caillot, soit l'utilisation de bas de compression intermittents. Nous voici à présent dans une chambre de réanimation. Ici, vous pouvez observer les CPI dont nous parlons depuis tout à l'heure. Ici, ils sont attachés. Je vais vous montrer comment les mettre. Nous les replions autour du mollet du malade, comme ceci, avec des scotchs qui les maintiennent attachés. Ils sont ensuite reliés à une prise d'air et à un câble qui vient prendre position sur le moteur qui permet de maintenir la pression de manière intermittente.